On s'est rendu compte, c'est deux enfants qui s'ennuient, hein, ça arrive parfois, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui en période de confinement. Et là, donc c'est deux enfants qui s'ennuient, ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, surtout qu'il pleut dehors. Et donc ils commencent à fouiller dans la chambre, un peu dans leurs affaires, toutes les choses qu'ils n'ont pas touchées pendant une petite période. Et donc, et à force de chercher, ils finissent par trouver des choses qui leur rappellent leur petite enfance. Et donc ça apprend aux enfants à vivre ce qu'on appelle la nostalgie, un petit peu de dire « Ah, c'était une autre époque, c'était sympathique, j'aimais bien vivre ce moment-là avec tel jouet, avec telle poupée. » Et voilà, donc toute l'histoire se tourne autour de tout ça, avec divers moments, on dirait, entre burlesque et aussi un peu triste. Ils entendent du bruit dans l'armoire. D'abord, trois coups frappés à la porte, puis une voix grave et bourrue qui gronde. « Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît ?» C'est Jean-François Verdier qui a écrit, qui a composé la musique sur un texte de Monsieur Bernard Friot. Donc à partir de ça, ils ont décidé de créer vraiment cette pièce-là, cette petite œuvre. Et donc ce qui a amené à créer une pièce vraiment pour les enfants, même que ce soit, je dirais, pour une tranche d'âge, plutôt pour le primaire, même pour les maternelles, ça marche très très bien. Et ça permet en fait d'amener la musique classique vraiment au plus jeune âge. C'est vraiment la politique de Jean-François, vraiment d'apporter la musique vraiment aux jeunes enfants pour bâtir, entre guillemets, le futur public musical. Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche du miel pour mon petit déjeuner. Et s'il y avait aussi des chocolats, des cornichons, des anchois et de la sauce tomate, ça serait pas mal non plus. L'objectif de ça, c'est de pouvoir jouer ça partout. Là, on a une toute petite scène et on a réussi à trouver ce qu'il fallait malgré les normes sanitaires. On a réussi à trouver quand même le compromis pour qu'on puisse tous être sur scène et pouvoir faire une représentation de qualité. Il n'y aura pas un thème, forcément un leitmotiv, mais il y aura vraiment un caractère sur un personnage ou sur un moment donné. Donc on a le côté très rêveur, on a le côté un peu triste, mais on a aussi le côté très drôle ou alors un peu bourru avec l'ours au début. Alors, le travail du comédien est assez fort parce qu'il fait un travail avec les marionnettes, alors au-delà du travail du texte, il y a tout le côté on joue avec des marionnettes, on donne des voix nouvelles, donc l'enfant est vraiment capté par ce qu'il fait. Et on a réussi à trouver les petits moments vraiment sympas pour pouvoir apporter aussi, je dirais, de la facilité pour lui, voilà, qu'il n'ait pas de contraintes en plus de fait d'apprendre un texte et de le réciter pour que tous les enfants puissent le faire. Mon marin de quand j'étais petit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Où étais-tu parti pendant tout ce temps? Le petit marin ôte son béret et répond.